كو مرحبا بكم في درس جديد في عدد جديد في فيديو جديد اللي راح نتعرفوا فيه اليوم على لو باسي كومبوزي زمن الماضي المركب On va apprendre le C'est parti les enfants, on commence Premièrement, c'est quoi le passé composé Le passé composé est un temps du passé. Le passé composé est un temps du passé. Ok les enfants On l'appelle passé composé parce qu'il est composé de un auxiliaire « être »

L'auxiliaire être ou avoir. ma le seul de Walter Il y a le verbe être, il y a le verbe avoir. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Ok? Le salut de C'est le participe passé du verbe conjugué. Le passé composé. Il est composé de quoi? Il est composé de l'auxiliaire être et avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. On va Alors, un autre exemple. On dit « Je suis parti en voyage. »« Je suis parti en voyage. »« Nous avons dansé au mariage. »« Nous avons dansé au mariage. » Où Je suis parti. »« suis parti. » hada avant danser avant danser c'est un verbe verbe conjugué au passé composé donc le passé composé àman mais le verbe être ou avoir au présent de l'indicatif plus partie et danser c'est le participe passé du verbe conjugué Premièrement, les not ou connaissent bien le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. C'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Et l'auxiliaire avoir, on dit j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez. Il ou elle-en. C'est l'auxiliaire avoir. Nous rapidement. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. C'est le verbe être. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle sont. est. C'est le verbe avoir. Bravo! Maintenant, on passe à la deuxième partie liée à la partie de participer du verbe. Alors, que m'attarde les verbes On a trois groupes. On a les verbes de premier groupe qui se terminent par er, les verbes de deuxième groupe qui se terminent par ir, et les verbes de troisième groupe qui sont des verbes irréguliers. Donc, le premier groupe. Le premier groupe, c'est le verbe qui se termine par er, qui m'a le verbe manger er manger. Alors, pour former le participe passé du verbe du premier groupe, ou chendero, ben n'a fait avec un premier groupe, on ne peut le participe passé, na on enlève le er et on ajoute e accent, on ajoute e accent. Donc tu peux chanter avec er, tous les chanter avec e accent, chanter avec e accent. Ok, na pour former le participe passé du verbe du premier groupe qui se termine par ER, on efface, on supprime le ER et on ajoute E-accent. Très bien. Maintenant, les verbes de deuxième groupe qui se terminent par IR. Les verbes de deuxième groupe qui se terminent par IR, qui m'a le verbe finir, comme les verbes finir, par exemple. Donc, pour les verbes finir, on a, on supprime IR, ir ir on supprime IR, on supprime ir et on ajoute I, zidou i d'accord, pour former le participe passé, toulina, fi, ni, fi, ni, ok Now, pour former le participe passé de verbes de deuxième groupe n'ahui r ou i tous les Et pour les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Des fois, ils bdelo carrément. R'nah te convaincrez. Etait de la vidéo. N'ah comme une liste. Donc, a fait. Mohammed a le troisième groupe et le participe passé de eux, il est zme t'attendent. Notre exemple, voir, tous les Voir, c'est carrément le participe passé how les Maintenant, on passe à la conjugaison. Maintenant, à l'auxiliaire être et avoir et le participe passé. Comment on peut former le participe passé Maintenant, on peut faire la conjugaison. D'accord On va commencer par le verbe chanter de premier groupe. Alors Qu'est-ce qu'on peut dire On dit j'ai chanté, tu as chanté, il ou elle a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, il ou elle ont chanté. Alors quand vous voyez que Marakotla a dû ajouter l'auxiliaire avoir et a a avant avait et en et on a le participe passé du verbe chanter de premier groupe. C'est accent un participe passé. Correct. On va voir avec le deuxième verbe, c'est le verbe finir, de deuxième groupe, d'accord On dit j'ai fini, tu as fini, il ou elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, il ou elle ont fini. Donc c'est ça la conjugaison de verbe fini au passé composé. donc choufou, le verbe voir de troisième groupe, conjugué au présent de l'indicatif toujours. J'ai vu tu as vu, il ou elle a vu. Nous avons vu, vous avez vu, il ou elles ont vu. adna a toujours l'auxiliaire être et avoir. Après, on a le participe passé du verbe. Maintenant, on passe à la conjugaison avec l'auxiliaire au être. Alors, je vous le verbe rester de premier groupe. Comment il va être conjugué C'est très très important. On dit « je suis resté ». Tu es resté. Il ou elle est resté. Nous sommes restés. Vous êtes restés. Il ou elle sont restés. Bon, qui m'a la la conjugaison avec l'auxiliaire être, c'est comme la conjugaison avec l'auxiliaire avoir. Toujours, adna l'auxiliaire être plus le participe passé. Mais, qu'est-ce L'auxiliaire être, c'est un peu différent. L'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Où est-ce il est quel sujet féminin, le participe passé n'est E. Il est que le sujet pluriel, le participe passé n'est S. E. Donc, tu as dit, tu as dit, Je suis restée, il est quel mot de la féminin. Tu E. Je suis resté. Nzi ha e à la fin. Nzi le participe c'est bien sûr. Tu es resté. Tu es resté. Tu es resté. Il a qu'un mot à anti c'est féminin. Nzi e il a quel anta, e d'accord. Il, il est resté, il est resté. douche Mais elle est restée, elle est restée. Donc elle, ria mouna nazi dou Ok?

Enfin, pour il avec s et elle avec s, sans rester, il la kunama i nzido s, botte ou il la kunama elle, nzido e, s, féminin, pluriel. D'accord Donc la marque de féminin, c'est e, et la marque de pluriel s, ou il la féminin pluriel, nzido es. Avec le verbe partir. Je suis parti. E, itaken féminin. مانديروش الا أه كان ماسكولين توي بارتي نديرو او أه الا كان المتحدث انتي مانديروش او أه الا كنا مع انت اي لي بارتي مانديروش او الي بارتي نديرو هي نو صان بارتي نديرو اس دو بلورييل ولكن الا كانت الجماعه مؤنث نديرو او أه. اس ولا كانت الجماعه مذكر نديرو اس فقط vous êtes parti de roues l'île jamara ils sont partis, de roues elles sont parties on va voir avec le verbe venir c'est un verbe de troisième groupe on dit je suis venu entre parenthèses, tu es venu. Si c'est féminin, on ajoute le e. Si c'est masculin, on n'ajoute pas le e. Il est venu. On n'ajoute pas le e. Elle est venue. On ajoute le e. Nous sommes venus. On ajoute es si c'est féminin pluriel. On ajoute seulement le s si c'est pluriel. Vous êtes venu. On ajoute le l de pluriel. Si c'est féminin pluriel, on ajoute ES et à la fin, ils sont venus, on ajoute seulement le S, elles sont venues, on ajoute ES. D'accord les enfants Très très bien. Alors, la règle drôle. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ou je en genre, m'en féminin ou la masculin. Où je en nombre, m'en singulier ou la plurielle. Alors, il est qu'on a féminin, on ajoute le e pour le féminin. Ou il est qu'on a le pluriel, on ajoute le s pour le pluriel. Ou la qu'on féminin pluriel, on ajoute e s. Très très bien. Règle générale, drôle. le participe passé du verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir maintenant ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet. Et yani, la conjugaison avec l'auxiliaire avoir, l'amour moukhtalif, m'a caché l'accord sujet participe passé. M'enzidou la S, la E. Alors, l'accord sujet participe passé, ou khas, fakat. Bloquer être, ou bien flouquer ou avoir l'amer mortelif D'accord, d'accord. Très très bien. Maintenant, suivez avec moi. Je m'attarde sur les verbes. Mortel et on a certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. certains verbes il y en a d'autres, certains d'autres, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être et certains d'autres se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et on a troisième catégorie. Encore d'autres peuvent être conjugués avec l'auxiliaire être et avoir. On les appelle le double auxiliaire. Il y a des effets, il y a des effets que l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. nsmom les double auxiliaire. Double auxiliaire. Très bien. On a sept verbes double auxiliaires. On a sept verbes double auxiliaires. Il se le verbe être et le verbe avoir. Alors, on a le premier verbe c'est le verbe montrer. le verbe entrer, le verbe passer, le verbe descendre, le verbe sortir, le verbe retourner. Et le verbe demeurer. Montrer, entrer, passer, descendre, sortir, retourner et demeurer. Et bien sûr, les dérivés, les dérivés, re, remonter, redescendre, rentrer. Très très bien. dans tous les exemples vous allez mieux comprendre les élèves ont sorti leurs livres les élèves ont sorti ont sorti en sorti ils ont sorti leurs livres voilà quand les élèves sont sortis de la classe y a ils sont sortis de la classe les élèves sont sortis de la classe qui m'acoute l'hebdo le verbe sortir le participe passé sortir l'auxiliaire avoir ou à l'auxiliaire être parce que le verbe sortir c'est un verbe double auxiliaire Maintenant, on va voir les verbes pronominales au passé composé. Les verbes pronominaux qui fâchent le passé composé. Alors, on a le verbe se laver. Les verbes pronominaux, le pronom réfléchi se. D'accord. On a le verbe se laver. On va voir comment on peut le conjuguer au passé composé. Alors, Je me suis lavé. Tu lavé. Il ou elle s'est lavé. Nous nous sommes lavés. Vous vous êtes lavé. Il ou elle s'en lavé. Qui m'a raconté toujours qu'il y a un accord sujet avec le participe passé parce que le verbe laver est l'auxiliaire ou être. Ou le pronom réfléchi est me te, se, nous, vous et se. D'accord les enfants? Très très bien. Maintenant on passe à la liste des verbes et leurs participes passés de troisième groupe. D'accord? Qui sont conjugués avec l'auxiliaire au avoir. on a une liste le participe passé thum? D'accord? Ou hadd l'auxiliaire au avoir. It l'auxiliaire au avoir. Alors, on commence. Le verbe voir, le participe passé terou vu. Boire, participe passé bu. Croire, cru. Savoir, su. Pouvoir, pu. Vouloir, voulu. Recevoir, reçu. Apercevoir, aperçu. Vendre Vendu. Atteindre. Attendu. Obtenir. Obtenu. Perdre. Perdu. Résoudre. Résolu. Mordre. Mordu. Rendre. Rendu. Rampe. Rompu. Devoir. Dû. Prévoir. Prévu entendre entendu tenir tenu suspendre suspendu sentir senti dormir dormi fuir fui lire lu battre battu connaître connu plaire plu rire rire, servir servi suivre suivi mentir menti écrire écrit cuire cuit Souffrir, souffrir. Et avec cela, les enfants, quand nous prenons les nihayet des lehdet, tout le monde a préféré qu'on fasse la liste parce que c'est très très important. Merci de votre attention. Tout le monde, nous apprenons tous, fait tout, fait tout. Tout partagez avec vos amis, abonnez la chaîne et abonnez mon Instagram. Iny ala ilaykom atiyya bill muna ilalika. À très bientôt.